dit, l'original, c'est Jésus. Je suis venue ce matin pour rendre grâce à Dieu pour un merveille qu'il a accompli dans ma vie. J'ai commencé ce ministère en juin. J'étais déjà venue lorsque Pépé était là pour 3 jours. J'étais venue avec Mémé. C'est elle qui m'a invitée ici. En juillet passé, j'étais venue. J'étais là en train de prier, pleurer à chaudes larmes. Et Daddy m'a localisée. Il a demandé qu'est-ce qu'elle a. En ce moment, je ne savais même pas qu'il parlait de moi parce que j'avais les yeux fermés. Et ma soeur a répondu à ma place en disant son mari a voyagé depuis 4 ans et n'est pas encore de retour. Et à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que c'était moi. Et Daddy a dit, d'ici 6 mois maximum, si mon mari ne rentre pas, de l'appeler faux prophète. Amen. Son mari a voyagé depuis 4 ans. Dans quel pays? En France. Et France. Il appelle. Et non, yeah. Mais il n'a pas encore trouvé les papiers. Il n'a pas encore trouvé les papiers. Vous avez commencé ici, ça fait combien de temps? Pardon. Elle a commencé ici, ça fait combien de temps? C'est la troisième fois ou la quatrième fois. C'est la troisième fois. Tu veux les papiers pour ton mari? Pour que ton mari puisse rentrer. Parce que tu l'as manqué depuis 4 ans. Donc, ouais, je connais ta souffrance. Mon frère, si c'est toi. Si je suis prophète, l'inolaito, je te donne 6 mois. Non, je suis un pour célébrer. Hey! Ton mari. Je veux que tu clames pour ce miracle-là. Ensuite, on a les corps. Dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Vous savez comme moi qui n'est pas un faux prophète, hier mon mari est rentré. Original. Amen. Quand une femme témoigne, bon, amoureux nous couvre tout notre prédifa. Amen. Témoigne de l'intime dans nos bibles, bah, ça ne nous connu. J'en ai le connu. Alors, 4 ans, hein, non. C'est 4 ans, c'est pas petit. 4 ans. Hein, 4 ans. Et hier seulement, elle est rentrée dans la bénédiction. Oh. Acclame très fort, Jésus bien-aimé. J'ai dit, si ton mari ne rentre pas, donnez à soutenir les quoi. D'ici 6 mois. Je 6 mois là-bas. De m'appeler faux pour faire. Elle était assise quelque part. Elle a dit, j'ai un couteau. Goudou est dit, oui. Ça fait combien de mois? Ça fait 6 mois exactement. Ça fait 6 mois exactement. Mon femme, ça fait 6 mois exactement. Ouais, donc nous tous essayons de dire, mais prophétiser, on s'est vivant. Ah bon, celui qui a prophétisé la bouche, qui a prophétisé, ne jouit pas encore. Amen. Et j'ai vu ton sort, j'ai vivant, on s'est dit. Bon, mais Dieu t'a dit, c'est vivant, on grandit, ouais. Jésus est bon. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu... Taille! Tu vas encore rattraper en même temps. Il va se négliger. Quelqu'un dit rattrapage. C'est rattrapage. Origigi! Origigi! L'original! Je m'appelle Onito Injosiane, je viens de Kokokodi. Tu as fait des miracles dans ma vie et je suis venue le remercier. Il y a de cela 11 ans, je sentais des malaises partout dans le corps. Maux de tête chroniques, troubles psychiques, maux de cœur, maux de ventre. Malgré ça, le mari de nuit me fréquentait et je n'ai pas la paix. Et ce n'est pas fini. L'une de nos soeurs était venue du Nigeria qui m'avait apporté du café. Après avoir pris cette friandise, j'ai connu un retard de 5 ans en terminale. Ah non, ah, donc tu as fait 5 ans en terminale. En terminale, tu as fait 5 ans. Waouh. Après café, là. Après café. Mais le retard, nous est pour. 5 ans. Mais lorsque j'ai pris rendez-vous, je suis venue rencontrer Daddy. Après la prière, j'ai eu ma délivrance, la guérison ainsi que succès.
Et ce n'est pas fini. Le second témoignage est ceci. J'étais en première année de reprise en lettres modernes et j'ai fait la ligne de prière. J'ai demandé à Dieu de mon père de m'accorder le succès. Lorsque Daddy a prié pour moi, après la programmation des résultats, je suis déclarée admise. Acclame Jésus. Mon frère, si tu n'acclames pas Jésus, c'est comme si tu ne veux pas miracle avant de rentrer à la maison. Oh. Merci beaucoup, Sœur Josiane. Quel palais. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Mais supposément, nous comptons quoi? Le diable est venu détruire la vie de cette fille. Elle agissait comme une surmenée. Vérité. Beaucoup de gens en savent ici. Mais supposément, amen. Amen. C'est dans ça. Amen. Elle, parce qu'elle a eu fraîchement son bac. Le bac, et les choses ont commencé comme ça. Bon, les bêtes, bon. Comment il peut évoluer à l'université? Mais le Seigneur l'a touché. Et ça, amen. Amen. Le Seigneur d'abord lui a donné le bac. Bon, et le Seigneur ne peut pas lui donner les diplômes d'université. Amen. Amen. C'est Jésus qui restaure. Jésus est notre bleu. Si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui travaille, bâtit en vain. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. C'est terminé. Et vous. Power.